just keep it down, down inside. Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. Hold me now, hold me now, tell me things, tell me all about how you feel. Just let yourself go. C'est aujourd'hui, vêtu de mon petit costume, que j'annonce ouvert la partie vlog de décembre du Vlogmas, Bookmas. À l'heure où je vous parle, on est en train d'en décider sur Instagram. Rejoignez-moi sur Instagram d'ailleurs si vous ne l'avez pas fait. Oulala, ça va pas la tête. Je suis désolée par avance pour le bruit derrière, mon frère est en train de prendre sa douche, donc pomper l'œuf, tout ça, tout ça. Nous sommes aujourd'hui le 2 décembre, et en fait je sais pas pourquoi dans le planning je croyais que je sortais mes vlogs les jours impairs. Mais en fait non, c'est les jours pairs, donc c'est-à-dire que vous verrez ce vlog le 4. Et je suis assez heureuse aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire de ma sœur. Voilà, de Louise. J'ai emballé son cadeau. Ça me fait rire. C'est le collier que vous avez vu dans le vlog de mardi, de mercredi. Dans le vlog de mercredi, donc le vlog du 2 décembre d'ailleurs. Et en fait j'avais pas envie d'emballer dans du papier cadeau, du coup j'ai repris les pochettes que j'ai dans les Fairy Loot. Et j'ai mis une petite corde autour. Voilà, parce qu'en plus il y a déjà une boîte à l'intérieur et tout, c'est juste pour pas qu'elle voit au premier regard. Comment est-ce que vous allez vous? Moi je suis vraiment très heureuse parce que j'ai vraiment paniqué hier avant la vidéo. Donc la vidéo où j'annonce que je vais faire le bookmas. J'étais vraiment là en mode non mais ça se trouve ils vont pas aimer, ils vont pas suivre, ça va pas leur plaire. Je suis, tout le monde le fait, je suis pas originale, ça va pas, machin. Et j'étais là en mode je vais pas avoir de retour, je vais juste sortir mes vidéos toute seule, personne va me parler et tout. J'étais dans une grosse remise en question. J'ai même, alors ça a rien à voir avec mon côté un peu drama, j'ai voulu changer mon nom de chaîne en m'appelant Avocado, mais genre Avocat d'Agathe, Avocat d'Agathe. Bref, ça m'a fait rire le jeu de mots, puis après je me suis rendu compte que c'était vraiment pas facile à dire, donc j'ai abandonné. C'était vraiment juste pour me marrer en plus. En tout cas, tout ça pour dire que ouais, j'ai eu un petit moment de flip, et dans ma vidéo, je sais plus, je crois qu'à un moment je dis un truc style... n'hésitez pas à commenter, je réponds aux commentaires de tout le monde et tout, et je me demande si ça vous a pas incité à commenter, de savoir que vous alliez avoir une réponse en échange. Et donc du coup j'ai eu énormément de commentaires. Attendez, je vais vous dire. Là je suis à 58 commentaires, sachant que comme je réponds, ça faut diviser par deux à peu près, ou un peu moins. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos retours, vous êtes absolument tous super mimi. Je vous adore. Bref, voilà, passez là-dessus. Donc aujourd'hui, qu'avons-nous prévu? Aujourd'hui, je voulais prendre ma journée libre pour vlogger et être avec ma soeur le jour de son anniversaire. Sauf qu'en fait, hier, j'ai pas pu vraiment commencer ma dissertation. Donc cet après-midi, j'aimerais mettre 2 heures, je pense, 2 heures de Pomodoro en mode 15h-17h pour faire
le premier G, enfin commencer à écrire ma dissertation. Comme ça, demain, je finis le premier G. Et vendredi, je peux corriger, rectifier, tout ça. Et vendredi, je le relis à tête reposée. Et dimanche, je l'envoie. Voilà, tout est planifié. On sait tous que je vais la finir samedi soir à minuit. Mais au moins, j'ai l'impression d'avoir un petit peu le contrôle. Ensuite, si je me fais démonétiser parce que j'ai sa musique de caca boudin en fond, je vais péter un câble. Du coup, je vais parler vraiment super fort. Est-ce qu'on parlerait pas un peu lecture? La dernière fois que je vous ai parlé, je crois que je commençais celui-ci. Donc, Dash and Lily, Book of Dare. Vous avez dû en entendre parler partout. Je suis désolée, je suis vraiment Agathe Team Mouton hein, pour ce jour. J'ai lu un chapitre, j'aime bien, mais je sais pas, je pense que c'est pas ce qu'il me fallait. Parce qu'en général, quand j'aime un livre, je l'abandonne pas. Enfin, il est pas abandonné, il est en pause. Tout le monde sait ce que ça veut dire en pause avec moi. Si vous allez voir sur mon livre addict, je sais pas si vous y avez accès, mais en gros il y a mes livres en cours et il y a mes livres en attente ou un truc comme ça. Donc c'est ceux que vous voyez pas sur mon profil, mais quand tu cliques et il y en a une vingtaine, c'est des livres que j'ai commencé, lu à moitié, lu 50 pages, 60, 80, certains j'ai lu 200 pages, le livre est en stop, je sais pas pourquoi. Enfin bref, c'est assez drôle. Mais en fait entre temps j'ai reçu, du coup je vous spoil de ouf, la Ferilou, trop énervant pour vous. En fait, la Fairy Loot, il manquait un item dans ma box, du coup ils vont me le renvoyer. Donc je vais attendre de recevoir l'item qui me manque pour poster ma vidéo. Et donc c'est celui-ci. Ah mais oui, mince, je suis trop bête, c'est la reverse cover. Vous la trouvez pas trop belle? Je trouve que ça donne trop un beau style au livre. Bref, mais du coup c'est This Truc Delight, Violent Delight. Hop, ce livre-là, qui est en fait une réécriture de Roméo et Juliette à la sauce Shanghai, année 1920 et gang de, du coup, les Capulet et les Montaigu. Là, c'est des familles qui sont à la tête tous les deux de cartels, enfin de mafia chinoise. Et bref, c'est énorme. Il y a une mafia chinoise et il y a une mafia russe. Et c'est trop cool. Vraiment, c'est trop bien. On se casse un peu la binette là, YouTube. Et je passe un super moment. En plus, il se trouve que Tara, de sa chaîne, c'est Bookish Tara, je crois, est en train de le lire aussi, donc très drôle, parce qu'on a exactement le même rythme de lecture. En mode, on s'est dit, on se fixe pas de chapitre ou quoi. Sauf qu'au final, à chaque fois, je lui envoie, je fais, ouais, mais je viens de finir le chapitre 8. Elle fait, oh, moi aussi. Après, je lui dis, oui, je suis à peu près à la page 50. Moi aussi. Ouais. Et donc là, j'ai passé la... Donc là je suis à la page 112 et c'est juste trop bien. Attends, il n'y a que du bruit dans cette maison, j'en ai marre. Je vous reprends plus tard quand il y aura moins de boucans. Ma mère elle se tape ses meilleures barres parce qu'elle voit que je galère à filmer. C'est méchant. Donc je voulais vous faire un résumé de ce livre-ci qui est pour l'instant qu'en anglais. Je crois qu'il vient tout juste de sortir en VO, donc attendez pas une traduction française tout de suite. Où vous allez suivre donc Juliette Kai. Je sais plus c'est quoi son nom de famille. Bref, vous suivez Juliette, qui est la fille, l'héritière d'un gang de mafieux qui sont installés à Shanghai depuis toujours et qui du coup voit arriver un peu tous les Européens et tout. Parce qu'on est dans les années 20, donc année post-première guerre, un peu année folle, tout ça. Donc c'est vraiment, l'ambiance est géniale, il y a des bordels. Ça me rappelle un peu Six of Crows pour certains sens. Et du coup Juliette, elle revient 4 ans après s'être exilée entre guillemets aux États-Unis pour son éducation, pour sa sécurité. Elle revient pour en fait reprendre un peu la tête de l'empire. Ses parents sont toujours vivants et tout, mais elle a fini son exil quoi. Enfin voilà, son père l'a enfin rappelé auprès d'elle, donc elle est ravie, elle rentre. Et en fait ses 4 ans aux États-Unis l'ont énormément changé et c'est devenu quelqu'un pas sans cœur mais assez froid, très... Voilà, distante, badass, voilà, voilà. Et face à Juliette, on suit Roma Montchakov, un truc comme ça, donc lui c'est les Montaigu, qui est l'héritier d'une famille russe qui est installée à Shanghai depuis maintenant plusieurs décennies et qui a un gang qui s'appelle les White Flowers. Et Juliette, elle, c'est les Scarlet. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les White Flowers et les Scarlet se sont toujours... disputer un peu des territoires au sein de Shanghai. Et donc les deux familles sont en concurrence. Sauf que on comprend rapidement que Roma et Juliette se sont déjà rencontrés. En fait les deux sont leur premier amour mutuel quand ils avaient 14-15 ans avant que Juliette soit exilée 4 ans suite à un événement. Et en fait cet événement est un peu dû à Roma, du moins pour l'instant. C'est ce qu'on croit. Je sais pas si c'est vrai. Et du coup c'est enfin d'abord c'est lover to enemies to lover. Genre,
ils étaient amoureux, tout ça, ils s'adoraient, puis ils sont devenus ennemis, puis bah vas-y, on espère qu'ils vont redevenir amoureux. Hein. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une maladie, donc ce qu'ils appellent madness, qui est en train de prendre tous les habitants et qui les pousse en fait à s'arracher leur propre gorge. Je vais pas vous mentir, ce livre est un peu dégueulasse. Enfin, il y a des petits détails, notamment les trucs par rapport à la gorge. Je veux pas heurter la sensibilité de certains, mais des fois ils disent genre elle attrape ses cordes vocales et les tire. Enfin bref. Voilà, puis après il y a d'autres trucs en rapport avec le cerveau, j'étais en mode ah, et j'étais limite ravie de pas comprendre tous les mots parce que c'était vraiment bête. Et en fait dans le résumé on nous dit que du coup Roma et Juliette vont devoir s'allier pour partager leurs informations et essayer de trouver qui est la cause de cette madness en gros qui prend les habitants de Shanghai et qui du coup tue les membres de leur gang à chacun. Pour l'instant c'est vraiment génial, l'anglais est vraiment pas facile donc pour une première lecture je vous le déconseille. Après moi je vous dis toujours, si l'histoire vous tente, pour moi vous arriverez à lire ce livre parce que vous voudrez absolument savoir la suite, donc ça vous poussera à, je sais pas, chercher la traduction, continuer de persister à lire et tout. Donc si cette histoire vous tente complètement, essayez, on sait jamais. Mais en tout cas, l'anglais n'est pas vraiment facile et il y a beaucoup de passages que je dois relire plusieurs fois pour être sûre de bien le comprendre, donc c'est un livre que je lis très lentement. Mais ça fait que je savoure et j'adore, donc j'ai hâte de vous en reparler un petit peu plus dans ce vlog. Voilà pour ce qui est des lectures, je propose qu'on passe aux 4 trucs du jour. Je sais pas pourquoi j'ai dit 5 dans ma vidéo et en fait il y a que 4 trucs que je vais faire. On peut commencer par le calendrier de l'Avent s'il vous plaît. Le numéro 2. Donc ça fait une petite pochette comme ça. Donc je pense honnêtement que c'est un marque-page. J'ai pas du tout regardé ce que faisait Evie Lou comme marque-page. J'aurais peut-être dû parce que ça se trouve je vais pas aimer les designs. Oups. En fait je voulais garder la surprise au cas où ils remettaient dedans des trucs qui étaient déjà sortis sur leur shop ou des trucs comme ça. Oh c'est mignon. Donc ça arrive dans la pochette grise et après là c'est encore sous plastique. On va l'ouvrir. Allez. Donc c'est un marque-page plastifié où du coup ça met, est-ce que vous allez voir, je vous le mets comme ça, ça fait Happy Ho Ho et derrière il y a Evilou et le bleu. Je préfère limite cette phase là, je sais pas, mais j'aime beaucoup les couleurs par contre choisies. Ah j'aime bien, je consente, c'est cool. J'aurais peut-être dû prendre des notes sur ce que je voulais partager. Pour la chaîne du jour, je pense que je vais vous parler de Bookish Tara. Je vous mets sa chaîne ici. Dans l'ensemble j'essaierai de parler de chaînes que vous connaissez sûrement pas ou quoi, mais c'est vrai que des fois bah, j'ai envie de vous partager aussi des créateurs de contenu qui sont peut-être plus connus mais que j'adore vraiment regarder à fond et du coup je pense que, enfin je sais que normalement c'est la plus, toi tu conseilles plus petit que toi, mais j'ai aussi envie de vous conseiller plus grand que moi pour que vous trouviez leur travail vraiment top. Tara a, je sais pas combien elle a d'abonnés. Tara, ouh mon téléphone. Ok, Tara elle a 1860 abonnés à l'heure où je vous parle et honnêtement les gars c'est génial ce qu'elle fait. Elle fait des petits vlogs un petit peu, enfin c'est vraiment tout choupi. Elle a passé l'été en Irlande et du coup elle avait fait des vlogs de l'Irlande vraiment tout nice. Et en fait sa voix je la trouve super apaisante, j'adore comment elle parle, comment elle parle. En plus elle a toujours un petit sourire et tout. Enfin, vous allez voir elle est toute douce, elle a des super avis. Elle lit principalement en anglais mais elle lit aussi des livres qui sont traduits donc si ça vous intéresse. En tout cas vraiment c'est une créatrice de contenu que j'aime beaucoup et je trouve que c'est très esthétique tout ce qu'elle fait. Donc je vous la conseille vivement. Ensuite pour parler musique, comme je vous disais dans ma vidéo de présentation, je suis vraiment fan des albums. En fait je sais pas pourquoi mais j'arrive pas à écouter une musique d'un artiste seul. Pour moi l'artiste c'est l'album entier, donc des fois c'est vrai qu'il y a des artistes j'adore une chanson sauf que le reste de leur album est vraiment nul si je peux me permettre. Et du coup ça fait que bah, ça me déçoit un peu et alors qu'en soi la chanson est vraiment bonne. Et donc pour ça je vais vous parler d'une pépite, un dernier album qui est sorti. Je crois, je sais pas si c'est parce que c'est les gens que je suis qui en ont un peu parlé. En même temps je suis le... Non ouais non, je suis la chanteuse donc c'est normal. Mais c'est le dernier album de Miley Cyrus, Plastic Hearts. C'est... Tu peux pas vraiment catégoriser cet album j'ai l'impression. C'est très rock, un peu pop, un peu indie. Enfin c'est incroyable. En plus dessus elle a mis la reprise de deux chansons que j'adore dont Zombie qui est de base des Cranberries. Et elle l'a fait magnifique. Si vous voulez plus d'infos, allez voir ces MTV Unplugged sessions. Donc c'est des sessions
faite par MTV où en gros il y a 5-6 chansons de l'artiste et elles sont en acoustique et souvent, enfin en acoustique, en live, voilà, c'était le mot que je cherchais, en live, et souvent c'est incroyable parce que ça, il change un peu les vibes et tout, donc ça rajoute plein de trucs. Et notamment elle a fait une chanson avec sa sœur qui s'appelle I Got So High That I Saw Jesus dans ses sessions MTV qui est waouh, magnifique. C'est une chanson de base de Noah Cyrus, donc sa sœur. Je suis devenue trop passionnée là d'un coup. Et en fait, cette chanson me fout les frissons et leur voix, ça se voit tellement que, bah, disons qu'elles ont été faites dans le même moule, quoi. Sans vouloir paraître grossière. En mode, elles ont vraiment le même petit côté éraillé. Pourquoi ma voix s'éraille à ce moment-là? Waouh, je suis trop faim. Et cet album, c'est vraiment une pépite. J'ai pas l'impression d'avoir encore été full dedans. Il faut encore que je l'écoute en balle, mais il est génial. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'on redécouvre un nouveau côté de Miley Cyrus. C'était la remarque qu'on se faisait avec mon frère, que vraiment, cette fille, chaque album qu'elle fait, que sa vie personnelle soit correcte au niveau des médias, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, moi je m'en fous complet, voilà, ou qu'elle parte un peu en vrille et tout, ses albums sont toujours bien. Après moi, ces albums qu'elle a fait un peu en mode boîte de nuit, DJ et tout, je sais pas si vous voyez lesquels je parle, je suis pas particulièrement fan parce que c'est pas le genre de musique que j'écoute, j'écoute surtout du rock, mais du rock, enfin en mode indie pop rock quoi un peu. Et là vraiment c'est un rock alternatif que j'aime vraiment beaucoup, donc dites-moi si vous l'avez écouté, ce que vous en avez pensé. Et j'ai vu plein de vidéos qu'elle a partagées, donc forcément c'est des bonnes critiques, mais de gens qui sont là en mode waouh, waouh, et plein de gens qui sont là en mode moi j'étais restée sur Miley Cyrus de The Climb ou Can Be Tamed, alors que pas du tout. Et je me rappelle que j'avais été fan au collège de son album Bangers, je crois. Attendez, je crois que je l'ai là. Non, il doit être dans une de mes voitures. Dans une des voitures. C'est son album où il y avait We Can't Stop, Adore You, bref. Voilà, je vous laisse faire toute la discographie de Miley Cyrus. Alors de base, la catégorie c'est une chanson que j'écoute et on est parti sur un album puis finalement une artiste. Une artiste qui a 15 ans de carrière. Bref, en tout cas elle est très talentueuse et je trouve que voilà, peut-être que ça peut vous permettre de découvrir un nouveau genre que vous auriez pas écouté. Il y a plein de musiques qui sont vraiment entraînantes en mode quand tu fais la vaisselle et tout, ça te bouge. Et bref, moi j'adore. Voilà, tout ça pour ça. Ah non, et il reste mon péché mignon du jour. De quoi je peux vous parler que j'adore en ce moment? Ah si, je sais. Hop, on va parler de ça. Parce qu'en fait, j'ai racheté la grande bouteille récemment. J'avais un petit tube qui m'a duré super longtemps. Et j'ai acheté la grande bouteille parce que je me suis dit comme ça, elle me restera. Et après, je pourrais juste remettre les recharges dedans. Mais je crois que j'ai enfin trouvé mon produit pour laver mon visage. J'en ai essayé 2-3 différents. Et j'avais vraiment du mal à trouver quelque chose qui... En fait, je voulais déjà que ça mousse. Enfin que ça mousse, je m'en fiche si ça moussait pas, mais que ce soit quelque chose que je doive étaler sur mon visage, pas une crème, pas une lotion au micellaire, tout ça, je voulais que ça doive se rincer. J'ai essayé, j'en ai essayé plusieurs, je suis trop nulle pour retenir les marques, mais j'en ai essayé beaucoup qui en fait une fois que je séchais j'avais la peau sèche, mais vraiment comme quand tu fais un masque à l'argile et que t'arrives pas à sourire, tu vois. Ça, j'en ai d'autres qui me laissaient la peau grasse. Enfin, j'arrivais pas à trouver le bon compromis. J'ai aucune idée de la nature de ma peau, je dirais mixte grasse. Aucune idée, vraiment rien du tout. J'ai enfin trouvé celle-ci, donc c'est une huile lavante de chez Uriage qui coûte, là c'est le format 500 ml, si je dis pas de bêtises c'était 8 euros, par là, 8 euros, en parapharmacie. Et en fait bah comme ça vous le dit, c'est une huile, donc ça veut dire que ça a un petit côté quand même hydratant, mais ça fait très savon. Et vous pouvez l'utiliser pour votre corps également, moi j'utilise que pour mon visage, mais depuis que j'utilise ça je sens vraiment que ma peau commence à se netteter, ça se dit pas. Je l'utilise depuis un mois, j'avais acheté mon petit tube avant le confinement. Vous dire que je me lave le visage tous les matins et tous les soirs, ce serait vous mentir, parce que je suis nulle pour ça. Mais je suis arrivée à une routine où j'ai vu que quand j'avais des boutons qui poussaient et tout, ça aidait à ce que les boutons s'effacent rapidement, sans que j'ai à les... ça me grattait pas, tout ça, et donc vraiment c'est top. Voilà, je sais pas ce que vous utilisez, n'hésitez pas à vous recommander dans les commentaires. Bref, tout ça pour ça. Let's go manger, j'ai trop faim. Making angels in the sand you let me. Doesn't matter.
Bon anniversaire. J'avais complètement oublié, mais j'ai un séminaire en fait là. À 14h, j'ai un séminaire d'une heure, voire deux. Je crois que c'est une heure d'abord seule, enfin en réunion à plusieurs, et après une heure avec notre maître de mémoire. Le mémoire, la catastrophe. Et pour vous montrer mon implication dans ce mémoire, je n'y étais pas du tout. Et là, je viens de voir un mail en mode « Attention pour votre connexion !» Et j'étais en mode « Quoi ?» Donc, on va vite se connecter. Je viens. Vous êtes pas droit. On est bien là ou pas? Je crois. Je viens de finir mon petit cours. C'est un peu stressant. Je suis un peu stressée parce que ça veut dire que j'ai bientôt mon premier rendu de mémoire. J'ai 3 rendus à faire avant le grand mémoire qui a rendu pour mai 2022. Date à laquelle j'aurai bientôt mon diplôme. Voilà, c'est un petit peu stressant, mais ça va aller. On respire, on se calme, c'est pas tout de suite. Tu vas avoir le temps, Agathe, doucement, doucement. Et là, je suis en train, je suis sur des sites, j'aurais jamais cru faire ça. Je suis en train d'acheter de la peinture, tout travaux ici. Déjà, premier site, je vais vous montrer. Bon, là, je suis sur le Roi Merlin parce que je voulais trouver des idées. Mais c'est pas ça que je vais vous montrer, c'est ici. C'est un site, du coup, qui s'appelle Urban Painters. Et en gros... je crois que certains m'avaient demandé la référence, si je me trompe pas. Cette bombe-là, donc la Belton Molotov Premium, donc c'est une bombe, vous savez, pour faire des graffitis et tout. Je l'ai prise en... Vous avez énorme... J'ai tellement envie de faire, vous savez, plein de dégradés et tout. Mais du coup, moi, je l'ai prise en... Hop, ici. Je l'ai prise en argent, donc silver dollar. C'est ça que j'ai prise ? Je crois. Je vais vérifier quand même. Parce qu'en fait, c'est ce que m'avait conseillé la fille à qui j'ai acheté ce livre-là sur Vinted, donc Kiss of Deception, et elle l'avait fait elle-même. Et je trouve que le rendu est méga bien, et j'aimerais customiser un livre avec vous en vidéo. Et du coup, je trouve que ça pourrait être cool de faire ça. Donc ce sera un peu un test, parce que pour ça, je vais utiliser... Je vais vous montrer. Je vais utiliser le silence radio comme ça, qui est... Donc ça, c'est ma pâle encore du mois, entre guillemets, de ce que j'aimerais lire avant la fin de l'année. Dont lui qui est pour un book club qui est pas dans la pile de base, mais il m'en reste quand même moins que ce que je pensais. Les deux du bas, c'est pas ça. En gros, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 livres. Je trouve que ça va, non? Ah, il y a l'art subtil de s'en foutre là aussi. Et bref, et en fait, silence radio là, c'est une épreuve non corrigée. Donc si je me rate dans le pchit-pchit, bah c'est pas grave en soi, ça peut être en mode ma première expérience, entre guillemets. Ça peut être ma première expérience. Voilà, si de toute façon, j'avoue avoir envie de me racheter tous les Alice Oseman dans la dernière collection qui est sortie. Parce que j'ai I Was Born for This en orange. Oh, mes pauvres, je vais vous l'attraper parce que sinon c'est pas clair. Oh, il est vraiment tout en dessous de ma pile. Je vous le montre comme ça, ça ira. Celui-ci, je pense que vous voyez peut-être le design. Et du coup, Radio Silence, il est bleu, je crois. Et je trouve que tous les prendre dans cette collection-là, ça peut être mimi. Donc voilà, c'est un peu mon livre test. Et comme ça, si j'y arrive bien, après je pourrais racheter d'autres couleurs. Voilà. Enfin, toute ma couleur. Oh, mais de ouf, faire une Rainbow Shelf. Donc vous savez, le fameux truc où tout le monde fait des bibliothèques arc-en-ciel derrière eux. Moi, j'ai vraiment pas la place et l'organisation pour faire ça. Et ben, je fais ça, mais que avec les couleurs de page, pas avec les couleurs de livres. Et du coup, par contre, ça veut dire qu'il faut que j'achète toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Surtout que si je veux revendre mes livres un jour, personne n'a forcément envie d'avoir les pages teintes en café au lait. Fourrure blanche. Oh, les couleurs de peinture, enfin les noms des couleurs, ça me tue de rire. Nougat, papyrus. T'as pas en quoi ton salon? En haricot vert. Evil olive. Mmh, elle est méchante l'olive. Pamplemousse. Calypso clair. Calypso moyen. Calypso foncé. Ouais, j'ai pris 3 tons de calypso différents. Je trouvais que ça apportait un vrai truc. Moi j'adore le bleu céladon. Est-ce qu'il y a du bleu céladon? Regardons ça. C'est sûr, il y a. C'est sûr. A few moments later. Mais écoutez, je crois qu'il n'y a pas. Bon, après, c'est possible que j'ai sauté le truc. Enfin bref, donc je vais le prendre en argenté parce qu'elle m'a dit que doré ça volait énormément et comme je vais d'abord en acheter une avant d'en acheter trop et de pas me servir de tout, je vais d'abord acheter la noire, mais j'ai peur des frais de port j'avoue. Donc en fait j'étais en train de regarder pour tout mettre dans le même panier puisque j'aimerais repeindre mon bureau. Rien ne va. Je vous ai dit dans un de mes derniers vlogs que j'étais dans une phase où je voulais tout redécorer dans ma chambre alors que... Oh, mais comment j'ai pu oublier de vous dire ça? Les gars, attendez, j'attrape ma gourde en l'occurrence. Il faut qu'on trinque un petit verre d'eau à la santé de mon alternance. Oui, boubou.
Je suis tellement soulagée. Je vous en avais pas trop parlé, mais c'est un truc qui me paniquait énormément, puisque je vous ai fait la version courte ou longue. Allez, je vous fais la longue. Attends, je bois le verre. J'ai failli m'étouffer. En fait, donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis à l'ESSEC, donc qui est une école de commerce à Cergy-Pontoise, et je suis dans le programme, pourquoi je claque mes mains, je sais pas, ça s'appelle le Global BBA, qui est donc un programme que tu rentres en post-bac sur concours. C'est un programme en 4 ans, qui est basé du coup un peu sur les modèles américains, puisque 4 ans, c'est le nombre d'années que tu dois faire par exemple aux États-Unis, en gros en anglo-saxonne. C'est le nouveau pays un peu à la mode. C'est le nombre d'années que tu dois faire en général pour atteindre un master après. Ce qui se passe, c'est que donc ça se divise en 2 cycles. Moi, j'ai validé mon premier cycle, mais mon deuxième, tu peux le faire de différentes manières, dont l'alternance. Tu peux le faire, par exemple, partir un an entier à l'étranger, avoir un double diplôme. Certaines universités le proposent, il y a une filière d'excellence aussi, il y a vraiment plein de trucs, et dont il y a l'alternance. L'alternance, c'est le même principe que je pense que vous connaissez probablement, c'est que tu passes la moitié de tes années en entreprise directement pour mettre en application ce que tu apprends à l'école directement dans le monde du travail. En plus de ça, économiquement, c'est assez intéressant, vu que tu es payé, ils payent ton école. Au prix de l'ESSEC, c'est plutôt pas mal. Bref, on va pas se mentir que quand j'ai été prise à l'ESSEC, j'ai tout de suite su que je voulais faire l'alternance pour toutes les raisons que je vous ai dit, mais aussi pour soulager mes parents et le prêt étudiant. Ça fait depuis à peu près mon retour de Singapour que j'essaye de chercher des alternances, sauf qu'avec le Covid, tout avait pris du retard. Mais quand je vous dis tout, vraiment, c'est-à-dire que je postulais à des offres en septembre, qui étaient en fait pour septembre, parce que personne n'avait trouvé son alternant avant, donc toutes les offres de septembre n'étaient pas pourvues, donc les gens les décalaient à octobre, novembre, et voilà. En plus de ça, j'ai un peu un profil atypique qui fait que c'est pas forcément facile, vu que comme je vous disais, je coûte cher, mais c'est vrai, je veux dire, c'est pas comme si ils devaient payer une année de fac. Et puis on est énormément sur le marché quoi, enfin l'offre et la demande, ça allait pas là. Et puis j'ai eu récemment une réponse, j'ai été prise en alternance dans une entreprise d'aéronautique et au département ressources humaines. So I'm pretty happy, oui, oui. De base, si vous me connaissez un peu, ressources humaines c'est pas forcément mon domaine de prédilection. C'est vrai que mon premier choix ce serait plus tourné vers du marketing et de la communication, parce que j'ai vraiment une vraie passion là-dedans. Mais ressources humaines c'est un peu, vous savez, il y a la compétence primaire et la compétence secondaire. Et j'adore tout ce qui est relié aux ressources humaines quoi. Voilà, la formation, les employés, recrutement, gérer en général le staff. Et ce qui est cool c'est que c'est dans une start-up qui commence un petit peu à percer, donc on est une trentaine je crois. Et donc ça veut dire que ça va être hyper intéressant, j'ai très hâte de commencer, et donc j'ai commencé le 4 janvier. Donc ça veut dire que, donc là je suis en train de faire toutes les démarches pour les contrats, c'est très fatigant, mais ça vaut tellement le coup. Et oui, et du coup, tout ça pour dire que je suis en train de refaire ma chambre, mais je sais même pas si je vais pouvoir y habiter, enfin... En fait, je sais pas encore si je vais être en télétravail ou pas, et si je suis pas en télétravail, c'est à Montparnasse. Donc, donc va falloir que je trouve un logement sur Paris ou que je fasse la route tous les jours. Enfin, surtout, faudrait que je me mette un peu de côté pour payer mon logement à Paris si j'habite à Paris. Mais j'avoue que c'est un peu ma chambre, pas d'enfant, mais oui, j'y suis. Cette chambre-là, je l'ai depuis ma 6e, donc ça fait un petit moment. Et elle a un petit peu changé, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que cette bibliothèque-là, elle a jamais été tout le temps là. Et en fait, j'aimerais changer le meuble là, et du coup, pour en venir à la base de mon histoire, j'aimerais repeindre ce bureau. Est-ce que vous allez voir? Voilà, je pense que vous voyez plutôt pas mal. Il a pris pas mal de coups au fil des ans, ce qui est, je pense, totalement normal, vous voyez. Genre, il y a plein de taches et tout. Et c'est vrai que ça lui ferait un petit coup de jeune quand même d'être peint. Ouais, et surtout là en fait. Mais qu'est-ce que je faisais par ici, moi, j'en sais rien. Sauf que je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, de base, quand j'ai eu mon lit en mezzanine, il y avait ce bureau en dessous. Donc une planche coupée en deux. Et donc mon papa m'avait fabriqué celle-ci. Donc vous voyez, c'est pas exactement les mêmes couleurs et c'est pas la même matière. Et ça fait vraiment bois. Alors que ça, c'est... Je sais pas comment on appelle cette matière. Je sais pas si vous voyez. Mais ça rend bien quoi, c'est le même angle et tout. Donc j'aimerais tout repeindre en blanc pour redonner un petit coup de jeune à ça, et voilà. Et en fait j'hésitais à faire un truc un peu plus original. Mais je pense qu'on va rester blanc, comme ma chambre est déjà pas mal chargée. J'ai pas envie de rajouter encore des trucs. Enfin bon, du coup je suis sur les sites, j'essaye de trouver de la peinture blanche, que sur Urban Painters là, le truc où j'ai la Belton Molotov Premium, il y a que
de... Ah mais je peux peut-être l'avoir sur le roi Merlin, non ? Attends, on va regarder. Bon, je vais continuer de regarder mes peintures. Après, je vais regarder mes meubles parce qu'en fait, bah, mes parents aimeraient m'offrir ça pour Noël. Parce que j'avoue que j'ai pas trop d'idées de cadeaux de Noël à part ça et des livres. Mais ils en ont un peu marre de m'acheter que des livres. Et je comprends, même moi, j'en ai marre de demander que ça. Donc, je vais regarder un peu les meubles pour voir... trouver un truc pas très cher et sympa et surtout pratique, et j'ai pas trop de possibilités qui s'offrent à moi de manière, donc voilà, à tout à l'heure. Après plusieurs heures de recherche infructueuse, je dis ça, we don't know, je pense partir là-dessus. Mais d'abord, faudrait que je montre à mon papa et à ma maman pour savoir s'ils approuvent. Et à vous, bien sûr, qu'en pensez-vous? Donc en fait, c'est une Billy classique, c'est-à-dire la même que j'ai là. Il y a de la quantité là-dedans. Sauf que, en gros, il rajoute deux petites portes en dessous. Parce qu'en fait, vous voyez, il faut quand même que je recale tout ce qu'il y a derrière mon fauteuil de lecture là. J'ai trop peur que ce soit moche. Et en fait, je pense que je vais rajouter également une... Est-ce que je peux vous la trouver là? Une comme ça, vous voyez? Une tour classique juste à côté, là. Qui prendrait en fait la place de... Prendrait en fait la place là de cette caisse bleue. Et même, j'ai pas l'impression que ça fasse toute la longueur là, le nouveau meuble. Donc je pense que ça ferait un peu moins. Ça pourrait être pas mal. Et ces caisses à vin, finalement, c'est vraiment le bon truc parce qu'elles sont toutes fines. Vous voyez, ça fait un demi-livre en fait. Donc à glisser derrière une porte comme ça, c'est vraiment cool. Vous voyez, ça me permet d'ouvrir à fond. Là, c'est la boîte bleue qui bloque. Et sinon, j'avais pensé à acheter une autre blanche comme ça pour la mettre ici, à la place du meuble vert. Mais en fait, ce meuble vert, il m'est tellement utile. Enfin, j'ai tellement de trucs dedans que ce serait une vraie galère de le changer. Aussi, je vais vous montrer un truc trop bien que j'ai vu. Ça donne trop envie. Regardez, c'est la bibliothèque que tout le monde a, ou presque, je crois, qui fait l'angle, là. Oh! En plus, les catalogues, c'est toujours beaucoup plus joli. Oh mon dieu. Et en fait, j'ai eu pendant une seconde d'hésitation. Je me suis dit, allez, je vire mon armoire que je mets ici. Et là, j'achète et je fais un angle de bibliothèque. Mais déjà, j'aurais pas assez de livres à mettre dedans. C'est un bon début. Ensuite, ça fait que pour mes vidéos, je serai à contre-jour. Donc vous voyez, là, vous m'aidez bien à éviter d'acheter ça. Et dernièrement, le meuble de mon armoire est tellement grand et large et imposant. C'est ma bibliothèque que j'ai eue, mon armoire que j'ai eue à ma naissance, que ce serait une vraie galère quoi. Pour le tout, ça ferait si on va pour faire un panier. Donc la Billy Oxberg en une fois. Tu peux rajouter encore un surmeuble Billy. Bon, moi je sais que j'en vais remettre plein de trucs dessus. Ah mais je pourrais acheter ça pour elle. Non, ça suffit. 120. Ah, non, ça va faire trop. En fait aussi j'ai peur parce que comme ma chambre est quand même petite, enfin vous voyez ce que je veux dire, genre c'est pas... Ouf, vous êtes très proche, je pensais pas que vous étiez aussi proche. En mode, j'ai peur que si je rajoute trop de meubles, ce soit surchargé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, il y avait celle-ci aussi, ah. Non, en plus elle est plus chère, on supprime. Ce qui ferait du coup que pour les deux meubles, j'en aurais pour 134,98€. Ça peut être intéressant. Je voulais pas acheter sur Ikea au début, je sais pas, je voulais voir mieux, mais c'est vrai que ça monte tellement vite. J'ai regardé un peu des trucs sur le bon coin eBay, sauf que je vais la chercher comment, la bibliothèque? Parce que là, au moment, surtout que la moitié du temps, les gens ils mettent « attention, pas démontable je la mets où? Dans mon camion? On fait comment ?» Et je veux voir, est-ce que vous pensez que ça existe des petites languettes à coller en haut des meubles pour faire un petit côté un peu arboré? J'ai trop envie de voir. Donc je viens de finir de goûter, il est à peu près 17h et là en fait je vais m'attaquer à ma disserte parce que je ne l'ai même pas avancé d'un poil aujourd'hui et en fait je veux pas me punir mais en gros je veux, j'avais dit que j'en ferai un peu. Donc je pense que là du coup je vais faire une petite pomodoro session de 1 heure. Je vais faire 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes. Et bah, comme ça, ça me permettra au moins de commencer à écrire et d'avoir un début. Parce que je trouve que c'est le plus dur dans tous les longs textes comme ça. Genre même quand t'écris un mémoire et tout, c'est jamais, tu sais pas par où commencer. En tout cas, j'ai choisi du coup les meubles qui rejoindront derrière. Ce sera le thème d'un weekly vlog, of course.
course. Weekly vlog. On est sur du daily vlog maintenant. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. J'espère vraiment que ça va rendre bien et que ma chambre sera du coup plus organisée. C'est drôle, mais tout à l'heure je vous parlais d'alternance et là j'ai eu un retour de quelqu'un qui veut me rencontrer en entretien, sauf que bah... Too late. Donc je vais retourner regarder la vidéo de Jaude qui parle de comment elle annote ses livres et ça m'intéresse beaucoup. Donc je vais aller la voir, regarde. Hop, salut Jaude. Et surtout qu'en fait là donc je vous disais il est 17h et j'aimerais travailler une heure pour que comme ça quand la vidéo de ce soir sorte, je la regarde avec vous. Enfin je pense pas faire une première comme hier, mais au moins voir les premiers commentaires et tout machin. J'ai pas commandé la bombe de peinture parce que le site que je vous ai montré a en fait une livraison à 5€, un truc comme ça, donc ça revient à 8-9€ la bombe. Aïe. Voilà. Bon. Du coup, je travaille un petit peu, je vous reprends plus tard, j'ai juste envie d'aller lire, c'est horrible. A few moments later. Et je vais arrêter de travailler là, parce que je n'écris plus rien de potable et je suis fatiguée et il est 19h30. Oui Juliette, oui. donc voilà, le vlog du coup est sorti il y a une heure, mais comme il dure une heure à regarder, je pense que je peux commencer à attendre des réponses maintenant. Ah oui, c'est bon, j'ai eu des 2-3 petits commentaires. Je vais attendre d'en avoir un paquet à répondre, comme ça je m'y mets puis je fais tout en même temps. Et donc là, je pense qu'on va aller lire. sinon ce soir du coup comme je vous ai dit c'est l'anniversaire de ma sœur aujourd'hui, donc on se fait un petit repas où on commande Sushi Shop. Je crois pas que ce soit Sushi Shop, mais bref, japonais. Bon, c'est sushi. Ouais, voilà. Et Juliette du coup elle mange pas le japonais, ce qui peut se comprendre. Donc vous savez ce qu'elle a demandé à mes parents de manger? Son plat préféré de tous les temps. McDo. Non. Tu manges ça? McDo. Non. Non, en vrai c'était les coquillettes mais avec du jambon fondu. Mais tu m'avais dit ça. Enfin, du gruyère fondu, ouais. Donc t'as McDo ou t'as des coquillettes? Bah si j'ai des j'ai McDo. Oh, pourquoi tu me l'as pas dit? J'aurais pris un Happy Meal avec toi. Va voir papa là, je crois. Elle, il est encore dans la douche. Mais il y a des personnes dans la douche et il veut que j'y aille. Mais on ne me comprend pas qu'il y a une personne dans la douche. Non mais ça va-tu, parce que mon père a dit en s'adressant à ma soeur et moi, vous occupez d'elle un peu, en mode faites-lui prendre sa douche et assurez-vous qu'elle bouge un peu. Parce que Juliette, c'est pas forcément la fille la plus efficace. C'est vrai. Quoi? C'est toi vrai. Qui est pas efficace? Moi, je suis très efficace. Bref, tout ça pour dire que du coup... Yeah. Je suis morte. Et elle a répondu à mon père... Oh, t'inquiète, Agathe, elle m'occupe bien, on est en train de rigoler. Alors que lui, il croyait que t'allais lui répondre, ouais, j'ai pris ma douche. Bah, c'est bon, hein. Allez, Louise est sortie, va à la douche. Go, 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 go. Ok, alors du coup, où en sommes-nous? On a écrit un peu de la disserte. Ouais, j'ai trop l'air que tu manges McDo. Si j'avais su, j'aurais pris McDo aussi. Je peux t'en passer? Non, mais t'as un Happy Meal, ma princesse, ça va aller. Ouais, bon, les nuggets, je t'en passe pas parce que c'est mon temps préféré. Mais les potatoes, je peux t'en passer. Ah, cool. Combien? 5? Non, 1. 3. Non, t'inquiète, une, c'est bizarre. Non, 3. Mais non, je rigole, 3. Je vais t'en passer 10. Oh, si j'ai retenu, hein. Tu m'en donnes 10. Si, en avant. Ça dépend, Agathe, ça dépend. C'est une blague. Mais au début, je pensais vraiment que ça parce que j'ai entendu apparaître un truc qu'il a dit à Romain. Rien allumé. Mais t'es con! C'est dans l'autre sens! Mais pas du tout! Mais arrête de me hurler dessus, Muriel! Mais faut juste que tu laisses la flamme un peu plus longtemps, quoi! J'ai trop...
trop peur, j'aime pas ça. Oui, mais le problème, c'est que tant que j'allume tout... Ah, ça prend. Non, ça prend pas. Après, on n'est pas obligé de les mettre. Hein. Non, enfin, si on les a achetés, c'est pas pour pas les mettre. Qu'est-ce que c'est? Ouh, je peux pas. Alors... Donne-moi ça. T'en prends une et j'en prends une. Attends-moi. Moi, j'aime pas ça du tout. On n'est pas le feu à la maison. Papa, non, t'appelles pas papa. Maman, j'aime pas du tout le feu. Mais ça marche pas. Tu sais que j'aime pas le feu, mais que j'aimerais le pompier volontaire. Oui, bah, il vaut mieux pas. Mais non, peut-être que justement c'est mieux. Parce que ça veut dire que je vais pas devenir pyromane. Non. Arrêtez! Papa, tu peux venir s'il te plaît? Non, mais là, maman, je mais pense moi, ça. Je crois que. Mais ça se trouve, c'est juste des bâtons décoratifs et ça fait pas de shit. Mais non, mais ça s'allume pas, j'ai. Ça se trouve, c'est juste des bâtons décoratifs. Ouais, c'est des bâtons d'enfant. Mais non. Ouais, voilà, fais comme ça. Non, mais j'ai peur, j'aime pas, ça me fait peur. Pourquoi ça... Il est actuellement 2h du matin. J'ai lu dans le canapé avec mes parents. Ça m'a fait trop du bien pour une fois de ne pas avoir à aller faire un montage ou devoir aller travailler ou des trucs comme ça. Ou juste vouloir dormir. Donc j'ai vraiment passé un bon moment, je suis contente. J'espère que cette journée vous aura plu. C'était un peu fouillis, il s'est passé plein de trucs. J'ai l'impression que cette journée a duré 3 jours. C'est un peu bizarre, j'espère que le montage vous plaira, tout ça, tout ça. Et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée des Bookmas. Bisous.